Mathilde, tu vas pas me faire ça. Oh, Alexia, t'embarques avec nous pour le tour en voilier. Mathilde nous laisse tomber comme de vieux pigorneaux. Mais je vous laisse pas tomber. C'est mes parents qui veulent que je reste à la maison. Il y a ma grand-tante qui arrive d'Amérique du Sud. J'ai pas le choix. Je peux pas non plus, je suis venue faire des courses avec mon père. Et puis les régates avec Ted. Non merci. Je vais être en retard. Faut pas que je traîne. Salut Jim, j'ai hâte que tu me racontes. Oh salut Max. Au revoir Max. Ah Max, mon vieux compagnon de flibuste. Ouais bah tu parles. C'est mes parents qui m'obligent à venir sinon... Ah mais c'est quoi ces marins d'eau douce? Pour une fois qu'on organise un truc de pirate à ennui sur mer. Vous vous rendez pas compte? Toute la journée en mer et sans les parents en plus. C'est génial! C'est la grande aventure! C'est... totalement nul. Faut que je me débarrasse de ce truc. Un vrai pirate ne supporterait pas une honte pareille. Que les choses soient claires, mon garçon. Sans bouée de sauvetage, tu ne montes pas sur le bateau. Mais... ça, en revanche, c'est interdit. Et toi, le chien à trois pattes, tu restes ici. On n'accepte pas les animaux à bord. C'est une blague, c'est ça? Elle est bien bonne. Jim, VPM, ça veut dire valeureux petit marin. Là, tu fais plutôt genre vilain pirate moulasson. Arrête de gigoter comme un ver. Il me va pas. C'est la honte. Je refuse qu'on me voie avec cette horreur. Moi, je veux que tu le mettes. Non. Ta grand-tante t'a offert ce bonnet. Tu peux lui faire ce plaisir. Mon Dieu! Vise un peu une crevette géante. Bouge pas trop, laisse, je vais chercher l'épuisette. Oh, tonnerre! Mes dents me font un mal de chien. Toi non plus, t'as pas eu le droit d'accompagner Jim, mon pauvre béquille. Tu sais quoi? À la première occasion, on embarque tous les deux. VPM, toujours gay, jamais sur la quai. Oh, attendez, moi je connais un vrai chant de pirate. Le capitaine Cougorge a gagné le rivage avec John à qu'une dent et tout son équipage. C'est fini ce boucan, oui? Depuis quand a-t-on le droit de danser sur le pont d'un bateau? Depuis toujours. Pourquoi ça serait interdit? Bien dit, papa. On reprend. Une, deux. VPM, toujours gay. Pour un pirate, ça va pas être tenable. Sûr que je suis pas taillé pour être VPM. Tu viens, Max? Et où tu veux qu'on aille? Bah, on rentre au port, cette question. Et hop là. Chez les VPM, on n'aime pas beaucoup les chiffres molles, petit. Nous, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout, à ton poste. Si ce pied sec croit qu'il peut retenir un pirate prisonnier, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Quand on arrive au phare, moi, je saute à la mer. Bonjour, tata. S'il te plaît, je peux aller jouer maintenant? Oh, mais avec plaisir. Je t'ai apporté des jeux de société et des coloriages. On ne va pas s'ennuyer toutes les deux. Merci, tata, mais c'est pas vraiment à ça que je pensais. Mais morbleu, c'est quoi ça encore? On dirait une vieille sèche désossée. Rage dedans, orage droit devant. Parole de pirate. Y a pas de doute quand mes dents me chicotent comme des diablesses, c'est que la tempête n'est pas loin. Tiens, je viens de recevoir des gouttes. Et Jim qui a pris la mer, il est peut-être en danger. Il faut que j'aille le prévenir. Allons, je suis sûre que ton ami s'en sortira très bien. Une journée sans toi, c'est pas la mer à voir tout de même. La mer est un endroit plein de dangers. Attaques de requins, collisions avec des sous-marins, sans parler des attaques de pirates. Excusez-moi, je peux dire quelque chose, monsieur Winner? Je pense que ça serait bien de revoir encore une fois les signaux sémaphores, vous croyez pas? Il me semble qu'il y a des moussaillons qui en auraient grand besoin. Ah, bravo, mon petit Jim, belle initiative. Tu mérites à présent de faire partie des valeureux petits marins. Les enfants, observez les signaux et faites comme moi après. A, B, C, D, E. Allez, bon vent, bande de clowns! Ah, chic! Quelle chance! À tout ratatouille, 10 de d'air!
t'avais promis que tu nous raconterais tes vacances. Je suis sûre que t'as dû vivre plein d'aventures super excitantes. Tu crois pas si bien dire? Que pourrais-je vous raconter? Ma remontée du fleuve Amazon à la nage ou ma descente à ski des glaciers de Terre de Feu? Je sais pas, ça dépend, c'est quoi le plus long à raconter? Eh bien, je dirais... La plus grandiose a sans doute été la remontée de l'Amazone à la nage. J'étais poursuivie par des crocodiles affamés alors que j'étais partie à la recherche de mon guide qui, lui... Allez, viens, Becky, on va retrouver Jim. Pourvu qu'Alexia soit pas déjà reparti. Hey, attendez-moi. La vaisselle, c'est vraiment un truc de marin d'eau douce. On fait la plonge. Mathilde, Alexia, vous voulez pas nous aider à filer d'ici? C'est pas la peine, votre sortie en mer c'est terminé. Ah vraiment? Est-ce que je peux savoir pour quelle raison, jeune fille? Parce qu'il va y avoir une grosse tempête, voilà pourquoi. C'est les dents du pépé de Jim qui le disent, elles se trompent jamais. Non, c'est absurde. J'ai écouté la météo marine, il n'y a aucun avis de tempête aujourd'hui. Allons, trêve de bavardage. Brent, nous levons l'ancre, tout le monde à son poste. À tes ordres, papa. VPM, toujours gay, jamais sur la gay. Waouh, t'as vu les mouettes, elles sont trop rigolotes. Alexia, s'il te plaît, laisse tomber les mouettes, il faut observer le voilier. Je voudrais savoir si tout va bien pour Jim et les autres. Au fait, il est passé où le petit chien? Oh, ça m'est, un chien sur mon bateau. Il va faire pipi sur le pont, déchirer les voiles, il va laisser des poils mouillés sur mon short. Brent, attrape-le. À tes ordres, papa. Je crois qu'ils ont retrouvé Becky. Oh, des gros nuages noirs. On ferait bien de se mettre à l'abri. Regarde, ils sont tout prêts. Oh, oh non, c'est la tempête. Elle se dirige droit sur Jim. Vigilance, les enfants, tempête en vue. Tout le monde à son poste. On rentre au port demi-tour. Ah, vous voyez que vous auriez dû faire confiance aux dents de pépé. Grotesque, un bon navigateur ne se fie qu'à la météo marine. Petit sauteur, veux-tu descendre de là tout de suite? Retourne à ton poste. On dérive, faut mettre le cap droit sur la plage. Tu crois que tu vas m'apprendre à diriger mon bateau? À ton avis, qui est le capitaine à bord de mon voilier? Allez, on fait route vers le port. Au moins, ça nous fera un peu d'action. Bienvenue au club. On verra, on s'habitue. Désolé, papa. Cap sur la plage. Papa, il y a une petite rille à bord. Jim, attention, dans ce coin, il y a plein d'écailles à fleurs d'eau. On va se fracasser dessus. Tiens, prends là-bas. Pas de soucis à se faire. Jim danse sur le pont, tu vois? Il est pas en train de danser, il nous envoie un message avec des signaux de sémaphore. Le problème, c'est que j'y comprends rien du tout. Vite, il faut aller demander un dictionnaire à ton père. Papa! J'avais oublié qu'il y avait autant de marches à monter. C'est ça que tu cherches? Ça peut bien vouloir dire saucisson ou salami. Non, ils sont en danger. Ils foncent droit sur les écueils. N-O-N, montre-nous la joie. Ce n'est pas un J, c'est un V. Montre-nous la voie. Mais oui, il veut qu'on les guide pour contourner les écueils. Alors je sais ce qu'il faut faire. Papa, on va avoir besoin de toi. D'une baleine, qu'est-ce qu'elle fabrique? On va finir par se fracasser contre ces fichus risants. Oh, je suis pas bien. Hurrah! Bravo, les filles! Max, suis le faisceau. On échappe les écueils et cap sur le phare. Qui dirige le bateau, j'ai plus le mal de mer. Oh, là, là, mon chéri.
n'ai plus peur, c'est fini. Comme quoi, il faut toujours faire confiance aux dents des vieux pirates. Tout ça, c'est la faute du chien. Les poils mouillés, moi, ça me donne la nausée. Du coup, j'ai pas pu naviguer comme d'habitude. Parce que moi, je suis un VPM. Hein? Tu pourrais nous remercier. Sans nous, les VPM seraient au fond de l'eau. Vite, la journée n'est pas encore finie. Qui est partant pour une chasse au trésor dans la forêt? Alors, vous attendez quoi? En route vers l'aventure. Et c'est alors que j'ai dit à ce fier guerrier quechua: excusez-moi mon garçon, je vais être franche. De mon temps, les hommes faisaient preuve d'un peu plus de galanterie. As-tu compris ce que je voulais dire? Je ne pourrais le dire.